premier ou pas ton premier ? Non, l'enfer. Wow. Là, ça y est, c'est squatté comme endroit là. Ça y est, quoi ? C'est squatté. Moi, j'ai du mal à passer par là. Je ne trouve pas. C'est squatté. C'est, ouais. Attends, on passe de l'autre côté. Est-ce qu'il y a un autre côté pour passer ? Je sais pas. On est très proche. Hein. Oui, on ne voit plus les bouteilles d'alcool qui sont tissues. C'est quoi là ? C'est une pièce fermée. Oui. Oh putain, comment ça sent ? Oui, je dois le faire doucement. C'est quoi les trucs là ? Ah bah ça va être là. Ça doit être là. Faut pas tomber, hein. Non. Ça va être une non, mais j'ai une bonne poche. J'ai une putain de bonne poche. Ouais, c'est pas mal. Il n'y a pas de fond, non ? Putain, ouais, il n'y a pas de fond. Si, il y a un fond, mais il est loin. C'est super profond. Ouais, de quoi c'est là. Attends, tu peux aller de l'autre côté. Ah non. T'aurais dit qu'il y a une pousse. C'est une corde de combien? 40. Il y a des trocs là-dedans. Hein ? La rive au fond. Il y a de l'eau dedans, non ? Voilà. Il y a de l'eau ? Non, c'est de la terre. Alors, la descente aux enfers. Ici, il faut rentrer. Et en route pour la descente en enfer. Faites doucement, gardez votre calme. À 3 mètres du fond, observez la paroi et relevez le nombre à 3 chiffres, ABC. Le truc de dingue. 3 mètres du fond, faut que je descende là en bas jusqu'à 3 mètres. Je sais pas, il y a plus, hein. Il y a plus que ça. Ouais. Bon, donc je vais prendre la longue corde et je vais descendre. Bon, ok, c'est parti. 3 mètres du fond. Faut pas être close, profondément. Il ne faut pas. Vas-y, sec. Tends la corde. Tends la corde. Putain. Tu vois où mettre tes pieds. Bon bah, j'ai même pas eu le droit à mon bisou. Okay. À 3 mètres, tu vas pas te descendre jusqu'en bas. Ouais, c'est ça. On devait mettre des lunettes de protection. Ouais. Quelqu'un a touché l'échelle là ? Non. Bon. Quelqu'un a fait quoi ? Touché l'échelle. Je vais prendre ça dans le poche.
À peine, même pas un tiers. Je pense que tu as la dîmeur. Ouais. Y'a des potes d'araignée ? J'aurais dû prendre un crayon et marquer bravo, plus que. Ça c'est 3, oui. On voit presque plus niveau. Je ne vois pas encore le fond. Je commence à apercevoir le fond. J'ai l'impression que ça bouge là en bas. Mais c'est peut-être que de la crasse. Attends. Mignou. Sandrine. Le 310. Qu'est-ce que tu dis ? Non, attends, je me parle. Mets du bout. Sur tes gardes quand même, reste sur tes gardes. Tu vois, je suis propre. L'échelle est un peu scellée à des endroits. Décédé. Tu veux ça? Tu veux? Ah oui, moi je veux. Ok.
Tu as des gants? Oui. Des gants, tu as? Oui. Il y a ça, mais c'est bon. On va prendre les miennes. Hein. Pas les gants. Courage, Benoît. On y va. Comment? Ouais, hey, tu me dis que je suis gros là? Non, mais c'est pas là, tu vois. Non, mais c'est la tête qui fait ça. Non. Attends, moi. Attention à la tête. Hein. Ouais. C'est pour ça qu'il est là. Hein. Ouais, c'est bon. Oh, non, c'est une araignée là. C'est bon, tu peux les garder comme ça. C'est pas vrai. C'est bon là? Ouais, c'est bon. Oups, pardon. Vas-y, mets un peu de temps. Merde, je sais pas, je me connais la tête. Il est marqué quoi? Il est marqué le 31-0. 92. Voilà, je suis arrivé, tu es par bas. Ça se trouve, ça continue encore, mais c'est bouché. Alors, par contre, moi, je vais pas trouver le numéro. Il est plus haut. Il est plus haut? Oui. Ok. On va mettre du sol. En orange. D'accord. Comme Nico, en sueur. Vraiment, t'as une vieille veste. Hein. Même parce que ta veste est noire, ça aurait été dommage. Attends, je vais remettre pas les maisons. Qu'est-ce que ça pue? Fais pas trop confiance à ce qu'on va faire. Mais tu sais quoi, ça pue? À chaud. À chaud. À chaud, il transpire. Bref, il y a des trucs qui dégoulinent, je sais pas si c'est ma transpiration. Non, c'est de la poussière de... Tout est bon. C'est bon, tout est fermé, super nickel. Bon bah on va y aller. Hein. Ouais. Bah voilà, Benoît. En Proms. Benoît Proms, pour ma 200e. Ça a l'air de tenir. La boîte, elle est en haut. Et il est 00h15, après une heure de tentative de passage de corde. On en a galéré. Peut-être même plus que le puits de tout à l'heure. Hein. Tiens, je vais peut-être prendre mon pied droit. Tu prends le pied que tu veux. Voilà, bah bon courage. De souplesse. Ouais, ça ira. Allez, vas-y, bon courage, teste d'abord. Donc, on est attaché ici. Alors? Ouais, ouais. Tu es un peu loin de l'arbre. Tu vas te prendre l'arbre. Wouhou! C'est l'habitude. Allez, c'est parti, ma cliquette. Allez! Ah merde! Moi que dalle! Eh ouais! C'est ça, les géocaches. Alors, c'est quand même terrible parce que c'est une géocache T5 qu'on fait de 100% de nuit. C'est, on peut pas faire pire. Hein. C'est sûr, on pourrait avoir de la pluie ou de la neige. Voilà. Allez! C'est encore loin ? Oui, c'est encore loin. Tu peux y aller. C'est bon ? Ouais. Vas-y, fais...
Ça y est, tu as la cache. Ouais. Ouais. On l'a eu. Attends, mais on va discuter. C'est comment la chute, celle-là. Eh, t'as vu quoi, les gars? Non. Je peux pas la faire descendre. Pourquoi? Elle est fixée à l'arbre. Ah bah... T'as un stylo? Elle est fixée, on peut pas la faire descendre. Ah bah ok, bah tu la laisses là-haut. Et c'est parti pour moi. Je peux prendre les gants? Ah oui, oui. Ouais. Bien sûr, tu peux prendre les gants. Ouais. Wouhou! Excellent. Ouais, c'est cool ça. Une voici avec la cache. Ah, c'est cool, il y a une ficelle. Ouais. Allez, je vais mettre ça. Finalement, je vais me loguer. Allez, 0h38, donc pour une nocturne. Et oui, pourquoi faire simple alors qu'on peut faire très compliqué. Pour ma 200e cache, j'ai voulu marquer le coup et me voilà servi. Merci pour cette T5. Et voilà, et on remballe. Allez, je descends. Ouais, j'ai de gants qui a fumé. Ouais, moi aussi avant. Wouhou ! Ah, punaise ! On l'a faite ! C'est clair. Ah, ah, je suis content, ouais. Ma 200e là. Mais pour une 200e, une belle 200e, c'est vraiment une 200e vraiment sympa. Ouais, celle-là, excellente. Ouais. Un peu fou pour ça. Bravo Skarg. Hein? Je disais bravo Skarg. Ah ouais, ça fait clair. Ouais. Allez, on remballe.